Bonjour, alors je m'appelle Stéphanie Forgue. Ça fait 22 ans que j'évolue dans le domaine du marketing, communication, entrepreneuriat, etc. J'ai été directrice marketing, je suis entrepreneur depuis 12 ans. Ça fait 8 ans que j'accompagne des entrepreneurs et je voulais vous parler dans le fond du service de développement des affaires. Donc c'est important de comprendre que ce n'est pas un service de représentation des ventes, c'est vraiment un service complet de direction du développement des affaires. Donc, je prends en charge, en fait, beaucoup de choses dans votre entreprise, que ce soit au niveau des ventes, au niveau du marketing, des communications, votre positionnement, votre leadership aussi. Donc, c'est vraiment cette... parce que les ventes, c'est la pointe de l'iceberg, en fait. Il faut que... Moi, j'appelle ça l'alchimie des ventes. C'est un peu comme un engrenage de montre. Il faut que tout fonctionne ensemble. Si j'ai un grain de sable à quelque part dans l'engrenage, il n'y a rien qui fonctionne. Donc, je vais mettre énormément d'énergie à essayer de faire des ventes alors que derrière, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Donc, mon service, en fait, évidemment, je prends un nombre limité d'entreprises. C'est un service, on travaille ensemble minimum 3 mois. Ensuite de ça peut être au mois. J'ai des clients avec qui je travaille depuis des années. J'ai des clients que je travaille seulement 3 mois pour les aider à starter la machine. Donc, je vais vous partager vous allez pouvoir voir dans mon offre de service détaillée vraiment tous les détails. L'idée, c'est évidemment d'augmenter vos ventes, vos revenus, mais aussi d'augmenter votre notoriété, d'augmenter la productivité au sein de votre entreprise, de s'assurer d'avoir une saine croissance, donc de s'assurer que au-delà des profits, l'entrepreneur est bien, les équipes sont bien, les clients sont bien. Donc, j'ai vraiment une approche où je mets l'humain au cœur d'eux. J'utilise majoritairement des stratégies numériques, mais ça varie vraiment avec chaque client. Donc, la première chose que je fais quand on travaille ensemble, c'est que je vais faire une analyse de votre entreprise, de votre marché, pour être capable après ça d'élaborer des stratégies. Donc, les stratégies vont varier vraiment d'une entreprise à l'autre. Et après ça, on va implanter les stratégies dans votre entreprise et je vais coordonner les stratégies. Je vais m'impliquer un peu dans l'exécution aussi, avec mes forces. Donc, par exemple, la rédaction, marketing, les communications, c'est vraiment ma force. Donc, je vais peut-être plus vous aider à ce niveau-là. C'est sûr qu'après, on peut avoir besoin, par exemple, de quelqu'un pour faire de la pub Facebook. On peut avoir besoin d'un graphiste, OK? Donc, ça, mais encore là, ça varie vraiment. Les résultats que vous pouvez espérer, je peux vous donner des exemples. Donc, par exemple, j'ai un client qu'en 6 mois, on est passé de 1 à 5 employés. Donc, évidemment, le chiffre d'affaires a suivi. J'ai des clientes qui ont augmenté de 50% leur vente après 3 mois. J'ai des clients qui ont stabilisé leur entreprise, mais pris beaucoup plus de vacances. Donc, ils sont passés, par exemple, de 2 semaines à 6 semaines de vacances en conservant les mêmes revenus. Donc, on identifie ensemble c'est quoi vos objectifs. L'idée, c'est je vous prends où vous êtes, on regarde où vous voulez aller et moi, je crée le chemin, dans le fond, pour atteindre ces objectifs-là. Je suis hyper dévouée, hyper présente avec mes entrepreneurs. Donc, je communique avec vous de façon très régulière. Je suis la progression aussi de différents indicateurs de performance que je vais déterminer en fait selon justement les stratégies, les objectifs, etc. Donc voilà, fait que vous avez plus d'informations sur l'offre de service. Ça va me faire super plaisir de répondre à vos questions. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, on va prendre un moment pour faire un appel ensemble pour valider de un le fit de personnalité, valider aussi le potentiel de votre projet d'affaires et par la suite, je pourrai vous dire si on peut aller de l'avant ou pas.